Il y a eu donc dans la cosmogonie ces mots de pensée, de vie et ces mots d'expression avec les chants, les contes, avec des instruments tels en fait dont nous parlons aujourd'hui. Alors, il faut distinguer. Et vraiment, il y a une littérature florissante sur Mvet. Enfin, pourquoi pas dire l'Mvet plutôt que le Mvet. Nous ne connaissions pas les articles, n'est-ce pas? On parle même aussi parfois du Mvet Oyen. Enfin. Voilà. Donc, il faut apporter la précision. Je crois que c'est l'occasion que vous me donnez d'apporter quelques précisions. Nous avons beaucoup lu, c'est vrai. Mais nous sommes rapprochés pour faire ce travail des sages. Mmh. Ces sages qui sont des bibliothèques vivantes, qui un jour finiront dans le brasier de l'éternité, parce qu'elles ne seront plus, parce qu'elles auront fermé définitivement leurs portes. Donc ces sages nous disent, partez toujours à la source, au sens étymologique. Le mot « mbet » vient du verbe « abet ». Ayon wa bet, wa bon vet. Lorsque tu montes, lorsque tu t'élèves, lorsque tu élèves ta pensée, lorsque tu veux chercher le dépassement de soi, alors tu fais un mbet, tu sublimes, tu transcendes. C'est cela un mbet, tout ce qui élève l'homme. Et lorsqu'un enfant naissait, il fallait élever l'enfant. Et on l'élevait l'enfant en faisant quoi? Mais en lui apportant justement les éléments culturels de base. Affinant, les devinettes. Mais c'est un mbet, on élève l'enfant. Koulou, baze, c'est aussi un mbet, ce sont les contes. On apprend à l'enfant, la tortue, la panthère. À savoir distinguer les formes de la tortue, c'est des formes laides, c'est vrai, mais intelligentes. Et puis les formes de la panthère, c'est des formes belles, mais sottes, puisque la tortue a toujours raison sur la panthère. Privilégier l'intelligence, c'est Mvet aussi. Mangan, les contes animaliers. Ngan, le conte. Akan veut dire structuré dans la langue Ekan. Ngan, c'est le conte qui nous parle de la structure du monde. Le monde végétal, le monde minéral, le monde animal et les différents règnes dans le monde animal. Les mammifères, les reptiles, les volatiles, et ainsi de suite. Donc, il y a ce niveau qui est important pour l'enfant, pour l'adolescent. Et puis, il y a aussi Oula. Oula, yeah, yeah. Ce sont les longs contes où on mettait en avant l'homme. L'homme était au centre du conte. Dans les autres, ce sont les animaux. Mais dans Oula, c'est l'homme qui est au centre. Et là, on parle d'éthique, on parle de moralité, du respect vis-à-vis d'autrui, respect vis-à-vis de la belle-mère, Nki. D'accord? Ce sont tous ces aspects-là qui étaient présentés à l'adolescent qui commençait à devenir adulte. Mais en fait, ce n'est pas simplement cette information verbale, c'est aussi les rites de passage, la circoncision, à qui mon femme. C'est en fait, on élève l'enfant. L'initiation. Exactement. Il y a le rite du saut, où on amenait l'enfant dans la forêt, il devait devenir un homme ou mourir. Il y a également le rite de Ngui, où il fallait que l'homme fasse tout pour que le mal ne soit pas au-dessus du bien. C'était donc le rite de la justice. Ngui, c'était la justice. C'est aussi une vote. L'homme doit dépasser le mal, être toujours dans le bien. Et il y a Melan, notre contact avec les ancêtres. Tout ça, tout cela, c'est une vote. Car l'homme s'élève, l'homme se cultive, l'homme est éduqué. Dans maintenant, ce qu'on appelle aujourd'hui la communication invisible. C'est parfaitement cela. Communication invisible où l'information circule. Elle circule de manière orale. Entre les vivants et les morts. Tout à fait. Maintenant, Mveroyung, la particularité de Mveroyung, c'est qu'à un instant précis, à un moment particulier, il y avait cette séance sociale qui se faisait souvent pendant les rituels de deuil, Mson, où un homme qu'on appelle Mbomombot ou alors Nzomvot venait avec un instrument qu'on appelle Oyung. Ou bien un nom. Cet homme venait compter justement notre culture, notre histoire, notre civilisation. Et il mettait l'homme face à la mort, face à l'immortalité, face à son héritage. C'est cela, un berouillon. Donc vous voyez, il y a donc un distinguo qu'il faut apporter entre un vote qui est notre civilisation, qui est notre culture, qui est notre corpus culturel, et puis un berouillon qui est le moment particulier où un conteur initié venait avec l'instrument Oyon raconter des récits qui lui avaient été révélés. Je tenais à apporter cette précision parce que souvent, on ne le fait pas suffisamment. Merci.